Bonjour à tous. Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui est un petit peu spéciale parce que je me suis basée sur la vidéo de Mika Denisso pour vous faire passer un message important. Il le dit mieux que je ne pourrais le dire, alors que c'est exactement ce que je pense, de la façon que j'aurais aimé le dire et vous le faire comprendre, mais lui a les mots justes, les mots exacts, et voilà, je me base sur son expérience, je me base sur ses dires, parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce que je pense. Alors aujourd'hui, où en est-on? Petit topo. Un président, ses ministres, bien tenus en laisse par des lobbies, qui eux-mêmes engraissent les médias, qui abrutissent et rendent aveugles toutes celles et ceux qui leur donnent encore un accord. Puis plus haut, un ou deux hommes fous furieux qui veulent contrôler le monde et qui ont presque réussi. Sauf que... Ce message s'adresse à toutes celles et ceux qui dorment, à toutes celles et ceux qui croient encore aux journaux corrompus jusqu'à la moindre tache d'encre sur leurs publications, à toutes celles et ceux qui continuent de mettre les télévisions mainstream au sommet de la connaissance. Ce message s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui sont si drogués par la bêtise, qui ne portent plus aucun crédit à des dires que s'ils peuvent avoir un appui scientifique derrière eux, comme si leur propre jugement personnel ne suffisait plus à dire le fond de leur pensée ni même de leur cœur. Je suis bien triste pour vous. J'ai même beaucoup de compassion, car vous êtes déjà morts. Vous êtes devenus des marionnettes vides de sang, vides de pensée, vides d'opinion, vides. Je m'adresse alors à vous de la même manière que le président, ses ministres et son armée de nains s'adressent à vous, comme des enfants de 5 ans que l'on doit punir pour faire marcher au pas, car apparemment, c'est le seul message que vous comprenez. Pour les autres, vous qui êtes déjà éveillé à cette supercherie, à cette barbarie, à cette manipulation, que vous soyez citoyen, médecin, étudiant, policier, politicien, juge, homme ou femme d'affaires, noir, blanc, jaune, rouge, quelle que soit votre sexualité ou votre religion, que vous soyez drogué par vos propres drogues ou celles imposées par d'autres, que vous soyez en liberté ou en prison, qui que vous soyez, avec un minimum d'éveil, avec un minimum de conscience et de cœur, d'amour pour le monde qui nous entoure et pour l'humanité, alors ce message résonnera tellement en vous que vous allez le partager en masse pour réveiller tous les morts vivants qui vivent autour de nous. Pourquoi nous cachons la vérité? Écoutez. Il ne reste plus rien de la France et peut-être du monde aussi. Leurs dirigeants sont tous corrompus et trop éloignés du sens de la réalité de la vie. Ils ne savent pas ce que cela veut dire de travailler pour se nourrir. Eux, ils travaillent pour s'engraisser. Les médias et les journalistes mainstream, qui doivent normalement informer les citoyens, ne font que se copier les uns les autres et n'écrivent que ce que les lobbies, qui les renflouent à coups de millions sur leur compte en banque, pour qu'ils puissent continuer d'exister, leur demandent d'écrire. Les banques qui à l'origine sont là pour garder votre argent et vous permettre d'innover, de vous lancer, de créer, de vous soutenir, de vous accompagner, sont toutes devenues des pilleuses et vous dites combien vous pouvez retirer par jour de votre argent, de votre propre argent. Et vous placent en esclaves de leurs petites annotations marquées en bas de chaque page, que la plupart d'entre vous ne comprenez même pas le sens d'ailleurs. Et puis, les policiers qui doivent défendre le peuple leur tapent dessus et abusent de leur pouvoir à chaque instant en prenant un malin plaisir à vous mettre des amendes de la même manière qu'on punirait un enfant car il a couru trop vite ou qu'il n'a pas porté sa couche, son masque ou a mangé son sandwich en conduisant son vélo ou sa voiture électrique. Et puis, les médecins véreux qui préfèrent se mettre à genoux devant les lobbies pharmaceutiques tels des mendiants pour gagner quelques milliers d'euros de plus et ne pas perdre leur travail, plutôt que de défendre leurs confrères qui se battent pour la santé, même si ça devra leur coûter leur titre de médecin. Et... Pour ceux qui adhèrent encore à ce système, écoutez à quoi vous donnez votre pouvoir. Écoutez à quoi, avec quoi vous êtes en accord. Ce que vous acceptez, même sans vous poser la moindre question. Écoutez bien ce que vous vivez en ce moment. Et vous, cette partie du peuple qui dites oui, oui papa,
Oui, monsieur l'agent. Oui, monsieur le banquier. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur et madame les ministres. Oui, monsieur et madame les journalistes. Oui, monsieur et madame les médecins. Dites-moi quoi faire, car je ne sais pas quoi faire de ma vie. Dire quoi manger, si j'ai le droit de sortir ou pas. Vous seul avez le droit de décider pour moi comment je veux me soigner. Si je dois prendre un vaccin ou pas, vous seul avez le droit de décider comment je dois gérer ou dépenser mon argent. Vous seul avez le droit de me dire ce que je dois apprendre. Vous seul avez le droit de me dire si je peux aimer un garçon ou une fille. Vous seul avez le droit de choisir la manière et le jour où je veux et comment je veux mourir. Vous seul avez le droit de me dire si ce que je pense est juste. Vous seul avez le droit de me noter et de me dire si ce que je fais est acceptable. Vous seul avez le droit de décider mes lois et de décider des lois à mon égard. Oui, monsieur et madame, les dieux tout-puissants, je vous écouterai quoi qu'il arrive. Dites-moi ce que vous voulez et je dirai oui sans jamais rien dire d'autre. Je resterai bien sage pour continuer à travailler pour vous, à vous reverser 70% de mon salaire. Je continuerai à vous engraisser avec mes crédits, à vous donner de l'audimat. Je continuerai à manger les cadavres que vous tuez pour moi, car de toute manière, je serai incapable de le faire moi-même. Je continuerai à acheter tout ce que vous mettrez sous mon nez. Je continuerai aussi à nourrir vos lobbies, qui nous donnent de la super nourriture en bois déshydratée chaque jour et qui détruisent nos agriculteurs, nos terres, la biodiversité. Je continuerai à croire à mes chers journalistes car vous êtes sur ma télévision. C'est que tout ce que vous dites doit être vrai. Et ce n'est pas grave si mes fins de mois sont difficiles. Ce n'est pas grave si je n'ai plus le droit de choisir comment je veux vivre. Ce n'est pas grave si la seule chose que je pourrais offrir à mes enfants, ce sont mes dettes. Et les vôtres, dettes écologiques, dettes financières, dettes sociales. Ce n'est pas grave si je suis réprimandé à chaque coin de rue, surveillé sur ma vitesse, sur la manière dont je traverse la rue, sur ce que je fais dans ma voiture et puis bientôt chez moi. Oui, monsieur et madame les ministres, j'attends avec impatience votre vaccin pour me sauver et me permettre de retourner très vite me goinfrer d'hamburgers, de soda et d'aller acheter mes vêtements et mes objets quand vous me donnerez le feu vert. Protégez-moi, s'il vous plaît, en me testant, en me contrôlant avec votre application Made in China. Suivez chacun de mes pas, chacune de mes actions, comme vous le faites déjà d'ailleurs avec mes cartes de crédit, en contrôlant mes achats, mais aussi mes déplacements. Oui, s'il vous plaît, je veux être protégé par vous, car je ne sais pas me protéger moi-même. Mettez de plus en plus d'ondes électromagnétiques autour de moi pour m'affaiblir, m'abrutir, pour détruire ma santé. Donnez-moi la possibilité d'accéder plus vite à toutes ces bêtises que vous m'offrez sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, empêchez-moi de penser à ma vie. Empêchez-moi de penser au sens de ma vie. Créez encore plus de choses pour remplir mes heures chaque jour. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas à moi-même. Ne me laissez pas choisir par moi-même. Dites-moi quoi faire, s'il vous plaît. Est-ce vraiment ça que vous voulez? Est-ce vraiment ça que vous appelez liberté? Et pour tous ceux qui ne sont pas avec ce système, qui ne sont pas d'accord avec ça, pourquoi être traité de complotiste, d'anarchiste, de moins que rien, de hors la loi, de marginal, etc. Est-ce qu'on n'a pas le droit à notre façon de penser? Est-ce qu'on n'a pas le droit à notre façon de voir, nous aussi, comme on pense que la vie devrait être et non pas comme elle est? C'est ça que vous voulez? Vivre dans un pays où la réprimande est à chaque coin de rue? Vivre dans un pays où vous n'avez plus le choix de vos actions, de vos pensées? Vivre dans un pays où vous êtes contrôlé sur chacun de vos mouvements? C'est bien ça que vous voulez? Il y a 30 ans, j'ai refusé ce pays et toutes ses aides. Je n'ai jamais rien donné à cet État, mais je ne lui ai jamais rien pris non plus. Et il n'a fait qu'empirer vers la privation, l'esclavage, vers l'oppression, la manipulation. La seule logique qui est en course, c'est cette course vers cet ordre mondial. La course vers le contrôle de masse, le contrôle de vos vies. Ah, maintenant, on a aussi des solutions. Écoutez, il vous les propose. Alors, si vous ne pensez pas comme les autres, vous êtes traité de complotiste, de gourou. Si vous ne faites pas comme les autres, vous allez être traité de dangereux, de hors-la-loi. Si vous ne suivez pas tranquillement le troupeau tête baissée, vous allez être traité de fou, de folle. Si vous ne mangez pas comme les autres, vous allez être traité comme un hors-norme, une bête à éviter. Et pourtant, c'est ça le prix de la liberté. Je préfère endosser le titre de complotiste, de gourou, de dangereux, de hors-la-loi, de fou, de hors-norme, mais être libre. Car la liberté est un droit humain et que rien ni personne n'a le droit de m'en priver. Rien ni personne n'a le droit de vous en priver. Alors, soit vous continuez à fermer les yeux, à baisser la tête et puis à marcher au pas,
à fermer vos bouches, à abrutir votre mental, soit vous ouvrez les yeux maintenant et vous décidez de sortir de l'ombre. Il y a des centaines d'actions que vous pouvez faire pour dire non. Non, je ne veux plus que l'on détruise la planète. Non, je ne veux plus participer au meurtre de 15 000 enfants qui meurent de faim chaque jour. Non, je ne voterai plus pour des politiciens qui ne passent pas en priorité absolument la préservation de la Terre et des vivants au profit du profit, du bénéfice et de la croissance. Non, je ne veux pas d'un vaccin. Non, je ne veux pas du déploiement de la 5G. Non, je ne veux pas de votre application de contrôle, jamais. Non, je ne veux plus payer 70% de taxes sur mon travail. Non, je ne veux plus manger des produits qui détruisent ma santé plutôt que de la rendre meilleure. Non, je ne veux plus envoyer mes enfants à l'école où on leur apprend à être bien rangés et devenir des bons obéissants. Non, je ne veux plus de ces juges et de ces policiers qui réprimandent plutôt que de protéger. Non, je ne veux plus de cette inégalité entre les gens pauvres et les gens riches. Non, je ne veux pas de cette nouvelle ordre mondiale. Et oui, je veux être libre de penser et d'agir ma guise. Oui, je veux travailler sans avoir à être un esclave qui nourrit les grandes puissances. Oui, je veux choisir ce qui est bon pour moi, même si cela ne correspond pas à ce que les autres pensent. Oui, je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux de mon argent. Vous avez plein de mouvements en marche pour ne plus accepter l'inacceptable, comme par exemple le projet du Festival du Nouveau Monde que je mets en place et qui est une excuse pour monter une communauté non violente et ferme dans ses actions. Vous avez aussi ces avocats qui veulent amener les ministères de la Santé, l'État et peut-être l'OMS en justice pour permettre aux citoyens de choisir la manière dont ils veulent être soignés et puis aux médecins de choisir la manière dont ils veulent proposer à leurs patients d'être soignés. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez plein d'actions autour de vous. Vous avez tous ces lanceurs d'alerte qui sont là et qui se battent chaque jour et qui vous donnent des idées chaque jour pour vous réveiller. Vous avez des actions douces, des actions plus dures. À vous de choisir. D'ailleurs, je vous mets des liens dans cette description. Regardez en vous-même et posez-vous ces questions, si vous êtes vraiment d'accord avec tout ceci. Et vous verrez, la réponse est non. Et si votre réponse est oui, alors vous n'avez plus rien à faire sur cette chaîne. Et allez regarder votre télé-réalité et restez dans vos rêves. Pour les autres, s'il vous plaît, réveillez-vous maintenant. Car nous sommes déjà des millions à nous lever aux quatre coins du monde. Et même si aujourd'hui, nous sommes encore désorganisés, séparés, même si chacun d'entre nous faisons des actions à droite et à gauche, très bientôt, nous nous donnerons la main et nous ferons et nous formerons cette ligne verte d'humains d'un nouveau monde, la version 3.0 de l'humanité. Et vous, petits enfants, si vous ne changez pas de direction, si vous continuez à dire oui et amen à tout ce que les dirigeants, les lobbies, les banquiers, les forces de l'ordre et les journaux mainstream vous demandent, alors vous coulerez avec ceux qui vous maintiennent en cage. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Pour ce qui me concerne, moi, dans ma vision des choses actuelles, je vois l'image depuis hier. Je vois l'image de tout un peuple qui se lève, un bâton à la main, pour se soutenir, pour l'aider à se lever. Il se lève difficilement et très douloureusement, mais il s'accroche à son bâton et il se lève. Doucement, mais il se lève. Et il se met en marche de plus en plus vite et de plus en plus en confiance et de plus en plus en sécurité parce qu'il a perdu la peur et il a gardé confiance en lui. Il a repris confiance en lui. Il a repris confiance dans sa vie, dans son cœur d'être humain et il estime que maintenant ça suffit. Alors, peuple de France, S'il vous plaît, levez-vous. Merci. Très bonne journée à tous.